Hey les amis, salut! Oui, 19h, nouveau stream. Je m'entraîne un petit peu parce que je ne suis pas sorti de mes aventures dans l'exploration des shmups et le mot space, space. Et donc, il se trouve qu'il faut que je fasse encore quelques Space Invaders qui seraient passés au travers, et notamment le fameux, le fabuleux, le tant inattendu Space Invaders Part 2. Et donc, oui. Il n'a pas fallu très très longtemps à Taito en 1978 pour bien réaliser que le succès du Space Invaders original tout en noir et blanc machin chose bah méritait un upgrade. Et quel upgrade mes amis, puisque ça n'est rien d'autre que la couleur qui est arrivée sur nos charmants envahisseurs. On va regarder tout de suite la tranche du jeu, hein. Ça tendra du neuf vraiment, à part la couleur? J'en doute, les amis, mais bon, on va vérifier ensemble. Je pense que j'ai mon fail de démarrage de stream qui va pas tarder à arriver. Comment ça, je ne suis pas optimiste? Non. Moi, je dis plus rien maintenant au lancement. Tant qu'il n'y a rien d'affiché, j'y crois pas. Zéro crédibilité. Space Invaders Part 2. Donc, je ne vous ai pas menti, vous voyez, Taito a viré les vieux CRT en noir et blanc et s'est dit, bon, ça se voit qu'on est un peu crevard, puis la concurrence arrive. Donc, nous, on va mettre de la vraie couleur. Et là, on va bien les. Vous voyez. Est-ce qu'ils ont retouché le jeu pour autant? Bah, pff, non. 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 C'est un peu ce que font les Space Invaders, d'ailleurs, comme bruit. Est-ce qu'on a le bruitage sur cette version? Ah, pas de bruitage au monnayeur, c'est mauvais signe. Allons-y quand même gaiement. N'y a pas un pet de bruitage. Ça va être le stream le plus triste du monde, je pense. Ksuf, ksuf. Comment ça, je vous l'ai déjà fait celui avec les bruitages? Oui, mais je le refais. Ça coûte pas plus cher. Profitez, profitez, c'est offert par la maison. Ksuf, ksuf. On pourrait mettre des bruitages rigolos d'ailleurs. Oink. Oink, 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 oink. Coucou, coucou! Ah non, il n'y a pas eu de tir là. Coucou, coucou! C'est trop compliqué, trop long à dire. Pif, pof, plic, ploc. Oh putain, nom de Dieu, regardez-moi ce bordel! Le surround réagit d'un seul coup. Et là, mes oreilles ont été arrachées par la puissance naturelle du son. Qui a été retransmise au plus près du vrai du vrai bruit d'une soucoupe volante quoi. Oui, Taito est parti enregistrer des soucoupes volantes. Je crois que c'était en. Ils ont pas donné exactement l'adresse. Une zone à la con 51 ou un truc comme ça, je sais plus. Et donc ils ont vraiment samplé l'ovni de la zone 51 pour pouvoir avoir ce rendu terrifiant de ces invaders qu'on voit bien menaçants, surtout en rose d'ailleurs. En fuchsia, on va dire. Ou en bleu cyan, très cyan. Énormément cyan. De là à dire qu'ils étaient gonflants. Tu vas petite soucoupe. Non, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais un jour. Un jour. Je t'aurai, je pense. Est-ce que quelqu'un peut m'abdiquer sur le chrono à combien j'en suis? Parce que on va pas se. Passer la live sur un Space Invaders que je présente, qui est un jeu que personne ne connaît et qui a juste la différence d'être en couleur. Je vais mettre 2 siècles à te flinguer, toi. Flash. À ce cure! Mais que se passe-t-il? Une nouvelle phase de jus? Bon, je vais essayer de dégommer cette vague, mais je suis pressé de rentrer chez moi là. Bah, j'ai un truc sur le feu, j'avais commencé une recette. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous ai pas streamé une recette. Faudrait que je trouve un jeu encore plus ennuyeux que celui-là. Comment ça? J'ai dit que Space Invader était ennuyeux, j'ai osé? Non, c'est vous qui avez mal entendu. Space Invader n'est pas ennuyeux, il est plus qu'ennuyeux. Là, je vais me mettre des puristes à dos, mais bon. Très honnêtement, en 2018, vous connaissez beaucoup de gens qui jouent à Space Invader. Bien qu'ils aient osé sortir une version 40e anniversaire qui
à part procurer rire et désolation, n'avait pas grand-chose d'autre qu'un symbole à présenter, quoi. Comment ça, je suis game over et je n'ai pas fait mes 5 minutes? Mais que si, regarde, 5-0-8, 5-0-9, 5-10, je suis bon. Voilà un Space Invaders partout qui amène la couleur, mais qui est totalement indispensable, à moins que vous soyez complètement accro à Space Invaders. Et oui, il vous le faudra. D'ailleurs, il faudrait mettre des autocollants sur votre écran, comme ça vous pourrez changer vous-même les couleurs. Prenez la version noir et blanc, c'est encore mieux. On se retrouve demain à 19h pour un jeu beaucoup plus intéressant, je l'espère pour vous, je l'espère surtout pour moi, parce que cette série des Space m'a anéanti. Sur 23 titres, il y en a eu 3 intéressants. C'est quand même léger, on va dire. Je vous laisse avec les playlists habituelles et je vous donne rendez-vous à demain 19h, même endroit. Quoi, t'es pas encore abonné? Mais fais-le, nom de Zeus. Allez, ciao.